et il n'arrive pas à y croire. J'aurais jamais imaginé d'avoir quelqu'un comme ça, comme voisin. Surtout qu'on était toutes des jeunes dans le bloc. Hein. J'avais ma copine en bas, il y avait un bon monsieur là, au deuxième, c'était un bon vivant. On était quand même une belle petite gang qui habitait là. Donc, j'aurais jamais pensé de vivre à côté d'une personne comme ça. Il y a de très bons parents. Il a eu une jeunesse normale, il pratiquait des sports, il est allé à l'école, il a quitté la maison vers plus ou moins 20 ans. On était voisins immédiats, donc on laissait nos portes ouvertes et tout ça, puis on se fréquentait, là, on prenait une bière, on rentrait, le soir on veillait sur le balcon, souvent on jasait. Louis Lafont est né le 31 janvier 1965. Il est issu d'une famille unie et sans histoire. Après avoir complété des études en informatique au cours des années 80, il décide de parachever sa formation. Il participe alors à un stage en informatique à l'Université du Québec à Montréal. Un supérieur le remarque aussitôt et lui offre un poste à temps plein à la coop de l'établissement. Monsieur Lafont a été accepté pour faire un stage, là. Faire un stage comme vendeur de produits informatiques. Et écoutez, il a fait son stage avec brio, il s'impliquait, il était bon, il a appris rapidement. Antoine Lemieux est né en 1967. En 1998, il est étudiant en infographie. Tout comme Lafont, il performe bien. Et il réussit à décrocher un prêt de 3 000 $ afin de s'acheter un ordinateur. Comme Antoine Lemieux s'y connaît peu en matière d'ordinateur, il se rend à la coop de l'UQAM afin d'y obtenir de l'aide. C'est là que les deux hommes se rencontreront pour la première fois. Lafont conseille Lemieux et va même jusqu'à lui offrir de se rendre chez lui pour l'aider à installer des logiciels. Après quelques rencontres, Antoine Lemieux, qui cherchait un colocataire, propose à Louis Lafont de venir habiter avec lui. Lafont accepte l'offre avec joie et emménage chez Lemieux dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve. Malgré la chaleur accablante, les deux hommes apprécient leur été et l'atmosphère est à la fête. Mais après 5 semaines de cohabitation, un cadavre en état de décomposition avancée sera retrouvé dans leur appartement. Je me rappellerai toujours qu'il y avait énormément de policiers. Ma rue était bloquée de partout. J'avais une voiture à l'époque. J'ai dû laisser ma voiture tout croche parce que là, je voyais bien que c'était chez moi, qu'il se passait quelque chose. Puis là, je me rappelle que je suis rentrée là, dans la foule comme ça. Il y a quelqu'un qui me dit « Ben, c'est pas toi. Oh, je pensais que c'était toi qui étais dans le sac. » Le 8 août 1998, des policiers se rendent d'urgence à l'appartement de Louis Lafont et d'Antoine Lemieux. Dans la garde-robe de l'une des deux chambres à coucher, ils aperçoivent un sac de vidange si informe qu'aucun d'eux ne pourrait dire ce qu'il contient. Cependant, l'odeur de putréfaction qui s'en dégage ne peut pas les tromper. On s'est aperçu de cette senteur-là et on a vu les fameux sacs en question. Alors, on a sorti le sac du garde-robe pour les déplacer vers la chambre. Et là, on s'est aperçu qu'il a sorti un liquide autolyse des sacs en question et qu'on était en train de contaminer notre sang. Vous savez, le liquide autolyse, c'est du liquide de putréfaction. Pour éviter de contaminer la scène de crime et de perdre ainsi des preuves qui pourraient les conduire au meurtrier, les enquêteurs demandent au coroner de faire transporter aussitôt les sacs à la morgue. J'ai travaillé 10 ans à la section des homicides. J'étais à ma 4e année, en 1998. Et c'était la première fois qu'on envoyait un cadavre à la morgue de Montréal sans attestation de décès. Parce qu'à Montréal, vous savez, les médecins se déplacent pour venir constater les décès dans nos scènes de meurtre.
ou deux policiers peuvent constater une mort évidente. Alors, ici, naturellement, le médecin ne s'étant pas déplacé et les policiers n'ayant pas ouvert les sacs, donc les fameux sacs qui ont été transportés appartenaient... Avec l'autorisation du coroner, des techniciens se chargent alors de transporter les sacs afin que le pathologiste puisse en identifier le contenu. Avant l'analyse de la scène, les enquêteurs ne peuvent pas prouver qu'un meurtre a eu lieu dans l'appartement des deux hommes. Un corps pourrait simplement y avoir été caché. Les hypothèses fusent, mais il leur faut trouver rapidement. Dans l'appartement, la biologiste judiciaire se met aussitôt au travail. Elle utilise du luminol, un produit qui l'aide à découvrir des taches de sang qui seraient autrement invisibles à l'œil nu. Elle parvient à percevoir des traces de sang sur les murs où les sacs ont été découverts. La biologiste pousse alors ses recherches et trouve des traces de sang dans la salle de bain et sur plusieurs couteaux de cuisine. À l'intérieur de l'appartement, la tension monte. Pendant ce temps, à l'extérieur, des policiers établissent un périmètre de sécurité tandis que d'autres éloignent les voisins qui s'attroupent rapidement autour de l'immeuble. Parmi eux se trouve Marie. Là, j'ai voulu entrer en dessous du périmètre de sécurité. Là, un enquêteur m'a pris tout de suite. Et là, j'ai dit, j'habite là, je veux savoir ce qui se passe. Marie demande au policier de la laisser entrer, car elle veut à tout prix aller chercher son chien. Quand on est rentré dans mon appartement, le fait que l'inspecteur soit rentré, qu'il ait ouvert les portes là, assez secs, puis que j'étais derrière lui, moi, il fallait que je sorte mon chien de là. À ce moment-là, moi, j'ai pas réalisé tout de suite. Je savais qu'il venait de se passer quelque chose d'énorme, mais jamais à ce point-là. Les policiers comprennent rapidement que Marie pourrait être un témoin clé dans l'affaire. Ils demandent alors à l'interroger et la conduisent dans un camion garé devant l'immeuble. J'ai dû être interrogée parce qu'évidemment, j'avais sorti avec eux la veille, donc on m'a interrogée et tout ça. Marie habite au troisième étage d'un immeuble et elle est la voisine de palier de Lafont et Lemieux. Ben moi, j'allais les voir pour comme bon voisinage, parce que premièrement, Antoine était de mon âge, était hyper sympathique. C'était vraiment une bonne personne, le fun, bon vivant. Les gens l'aimaient beaucoup, il était très aimé, jouait bien de la musique. J'aimais aller chez Antoine, c'était une bonne personne, je pense. Comme je venais de finir une relation, ben il m'aidait aussi. On discutait ensemble, ça passait mes soirées. Pour moi, Antoine était vraiment un typique bon voisin. Antoine Lemieux passe ses journées à jouer de la guitare ou à sillonner les rues du quartier en patin à roues alignées, tandis que tous les matins, Louis Lafont part travailler à la coop de l'UQAM. Mais bien qu'il n'ait pas le même rythme de vie, les deux colocataires se retrouvent souvent avec des voisins pour boire une bière et jaser. Qu'on montait sur le toit, on était jeunes, tout ça, on avait du fun, on prenait de la bière, on jasait, on veillait tard, on écoutait de la musique. Interrogée par les policiers, Marie leur raconte que la veille même de la découverte du cadavre dans l'appartement d'Antoine Lemieux et de Louis Lafont, elle a invité les deux jeunes hommes à aller prendre un dernier verre. Le soir où je suis sortie avec eux au bar, je suis sortie quand même assez tard parce que j'étais sortie avec des amis avant. Avec deux de mes amis. Et on s'est préparé chez moi, tout ça, on est sortis. Puis en sortant de chez moi, c'était la première fois que vraiment, là, on a senti quelque chose. Puis moi, dans ma tête à moi, j'ai dit, ben voyons, Antoine n'a pas sorti ses poubelles. Il n'a pas sorti ses... Ça sent pas bon. Mais pour moi, c'était comme des poubelles, là. Plus tard dans la soirée, Antoine Lemieux et Louis Lafont se joignent aux filles. La petite bande s'amuse ferme. Ils jouent au billard et boivent plusieurs bières. Je pense qu'ils ont joué au pool et tout ça. Louis avait pas mal consommé de bière, un peu croche, mais comme quelqu'un de normal. Pour moi, ce soir-là, il était un petit peu plus euphorique. Je pense qu'il était dans un état un petit peu plus euphorique. C'est très vague. C'est très vague, ma sortie avec eux. Ça a peut-être duré une heure à peine. Il était très tard. Moi, j'étais sortie avec des amis avant. Donc, il était peut-être quoi, 1h, 2h du matin à peu près, là, quand on est allé prendre une bière avec eux. Quand ils rentrent aux petites heures du matin, Marie propose à Louis Lafont et à Antoine Lemieux d'aller à la plage le lendemain. J'avais dit, moi je m'en vais au cas demain, si ça vous tente, je vous emmène, puis tout ça. Antoine avait dit, ben écoute, cogne, puis on verra si ça nous tente. Marie ignore tout de ce qui s'est passé après avoir quitté les deux hommes cette nuit-là. Et le lendemain, comme convenu, elle va frapper à leur porte. Mais Antoine Lemieux n'est pas là
et c'est Louis Lafont qui lui ouvre. Moi, je me demandais, ben, il est où Antoine, là, ce matin-là? Parce que c'est toujours avec Antoine que je parlais. Puis là, je me suis dit, ben, pourquoi c'est pas lui qui me répond, mais bon. Marie ne tardera pas à apprendre l'histoire macabre qui s'est déroulée chez ses voisins de palier. Louis Lafont vit depuis 3 semaines avec Antoine Lemieux lorsque le 27 juillet 1998, il reçoit la visite de France Beauregard, une jeune femme qu'il a connue il y a 3 ans dans un bar et qui, depuis, consomme souvent de la drogue et de l'alcool avec lui. France avait énormément grand cœur. France allait te réveiller pour payer ses tripes de drogue, mais elle payait pas juste ses tripes de drogue à elle. Elle y payait à lui aussi. Avant son arrivée à Montréal, France Beauregard vivait à Saint-Hyacinthe avec son fils Martin. France n'a pas eu une enfance heureuse. Son père est alcoolique, puis ça l'a amené des problèmes avec sa mère. Puis se sont séparés. Puis France a toujours eu un manque de son père. Puis ça l'a apporté en vieillissant même ses problèmes. Elle a rencontré le père à Martin. Les problèmes se sont accumulés avec le temps. Elle a commencé à prendre la drogue. Elle avait 18 ans. Puis elle a commencé, c'est ça, elle est allée danser. Lui, il l'a envoyé danser. Il a commencé à y faire prendre des lignes de coke. C'est tout là que tout a commencé. C'est son enfer, de la drogue a commencé là. Quand elle a rencontré le père à Martin. Lorsque Martin atteint l'âge d'un an, France décide de quitter Saint-Hyacinthe, bien résolue à laisser ses problèmes derrière elle. Mais à Montréal, la jeune femme est vite rattrapée par sa dépendance à la drogue. Vers l'âge de 9 ans, Martin prend une décision qui aura l'effet d'un catalyseur sur la volonté de sa mère d'arrêter de consommer. C'est sûr que c'est dur un peu pour un garçon de mon âge d'absorber ça. C'est sûr que ça me déplaisait énormément aussi. Il n'y a aucun enfant qui aime voir sa mère prendre de la drogue, tu sais. Mais à part que j'en parlais, écoute, à un moment donné, j'ai réalisé que peut-être en décidant d'aller dans une famille d'accueil, peut-être que ça déciderait de... Peut-être que ça pèserait peut-être plus contre la balance, puis elle déciderait peut-être de changer. Je suis parti de 9 à 11 ans, 2 ans de temps en famille d'accueil. Et je voyais ma mère pareil à chaque fin de semaine. Puis ma mère, petit peu à petit peu, elle comprenait pareil qu'elle avait, tu sais, qu'elle voulait m'avoir, tu sais, c'était simplement normal. J'étais sa fierté, et puis elle m'avait perdu. Et puis, elle a réussi à avoir la garde à 11 ans parce qu'elle avait fait une bonne thérapie. Elle avait réussi à s'en sortir, dans le fond. Pendant 2 ans de temps, elle était sobre, elle touchait peu aucune drogue. Et puis, tu sais, ça avait marché d'une certaine façon. Malgré sa cure de désintoxication et toutes ses bonnes intentions, France finira malheureusement par replonger dans l'enfer de la drogue quelques années plus tard. Elle s'évade pendant 2 ou 3 jours de suite et n'hésite pas alors à laisser Martin à son nouveau conjoint, Roger. Pendant 2 années, elle ne touchait plus à rien, elle était sobre, et puis elle avait une belle vie. Écoutez, elle savait reprendre en main. Et puis malheureusement, quand elle commençait à travailler dans un bar, la tension était là, sûrement. Elle était plus forte, et puis elle a commencé à consommer. Et puis à un moment donné, quand tu consommes, à un moment donné, peut-être que tu es comme plus là, en gros. Malgré ses problèmes, France fait tout pour que Martin ait un semblant de vie normale. Martin est son petit rayon de soleil, sa raison de vivre. Et elle l'entoure de ses 1000 petites attentions dont l'enfant se souviendra toujours. J'aimais beaucoup, quand j'étais plus jeune, j'aimais beaucoup gratter les l'Auto-Québec, les mots cachés. Et puis je crois que il n'est pas arrivé une journée qu'elle ne m'achetait pas un mot caché. Le soir, quand j'arrivais de l'école, j'avais toujours un mot caché sur la table pour que je puisse le gratter. Et puis avec ma petite slush à côté aussi. Tous ces petits détails-là, elle faisait très attention. Elle pouvait tout lui donner. Il manquait de rien avec sa mère. Puis quand elle faisait garder, c'est moi qui le gardais. Elle avait une place à aller, elle m'appelait toujours moi pour garder Martin. Elle faisait jamais garder son fils par des personnes qu'elle connaissait pas, moi ou sa grand-mère. Malgré le jeune âge de Martin, France n'hésite pas à lui dévoiler ses états d'âme. Elle en fait même son confident. J'ai réalisé assez tôt, pareil, qu'elle avait un problème de drogue. Puis c'est pas tous les parents qui peuvent dire ça à ses enfants, surtout à mon âge, quand j'avais 11, 12, 13, 14 ans, que, tu sais, que je pouvais savoir que ma mère elle avait un problème de drogue, tu sais, assez important. Et puis, c'est peut-être plus ces sujets de conversation-là qui étaient comme hors du commun, mais qui fait en sorte qu'on était bien unis. Mais le 27 juillet 1998, Martin, qui a maintenant 14 ans,
réalise que sa mère va sortir et qu'elle va sans doute se prostituer pour assouvir son besoin de drogue. La chicane éclate alors entre France et son fils, qui menace même de retourner dans la famille d'accueil qu'il a hébergée quelques années plus tôt. Mais la tentation est trop forte pour France. Et malgré les protestations éplorées de son fils, elle décide de sortir. Le soir du 27 juillet 1998, France Beauregard quitte son fils et se rend chez Louis Lafont, attiré par la drogue qu'elle pourra y consommer. Le jeune garçon ne sait pas quand il reverra sa mère. Je n'étais pas conscient qu'on parlait dans lui de la vie d'une personne. Elle devait sûrement l'aimer pour tout endurer ça. Guylaine Neblon a été tuée de 36 coups de couteau. Un tueur si proche, ce soir 21h au Vendredi Policier. Piche. De l'aide est suggérée. Le 8 août 1998, des policiers découvrent un cadavre en état de putréfaction avancée dans Hochelaga-Maisonneuve, un quartier de l'est de Montréal. Ils ouvrent aussitôt une enquête afin de découvrir l'histoire qui se cache derrière ce meurtre crapuleux. Le 27 juillet 1998, lorsqu'il finit de travailler, Louis Lafont achète un 10 onces de brandy qu'il boit en se rendant chez lui. Il fait également un tour chez son revendeur où il se procure sa cocaïne et au dépanneur où il achète une douzaine de bières. Après avoir quitté son fils, France fonce droit chez sa voisine et elle lui demande de lui prêter de l'argent. Louis Lafont a déjà bu son 10 onces de brandy. Il boit maintenant sa douzaine de bières et consomme un gramme de cocaïne, une très grande quantité de drogue. La voisine de France n'est pas dupe. Elle sait ce qu'elle s'apprête à faire si elle lui prête de l'argent et elle refuse. Mais France est bien déterminée à trouver sa drogue coûte que coûte et part bredouille sous l'œil inquiet de sa voisine. France Beauregard se présente à l'appartement d'Antoine Lemieux et de Louis Lafont, l'homme avec qui elle consomme souvent de la drogue et de l'alcool depuis 3 ans maintenant. À son arrivée, Lafont ressort pour se procurer plus de cocaïne. Il achète également une caisse de 24 bières. La quantité de substance est phénoménale, mais Lafont est un sérieux toxicomane et alcoolique. On avait calculé une alcoolémie de autour de 400 mg pour 100 et la prise concurrente de cocaïne, c'est évident qu'il y avait une intoxication très sévère parce que s'il n'y avait pas eu de tolérance, cet individu-là serait décédé. Parce qu'il y a des gens qui meurent avec des taux d'alcoolémie de 300 mg pour 100. France et Louis Lafont s'adonnent à leur activité favorite, fumer de la cocaïne et boire de la bière. Durant la soirée, Lafont quitte quelques instants la pièce. France ne se doute pas de ce qui l'attend. Pendant que sa mère fête, Martin dort. Puis, il se réveille en sursaut, anxieux, seul dans la nuit. Martin est soudainement pris d'une peur inexplicable. Il a la certitude que quelque chose de terrible est en train de se tramer. Pendant plus de 2 semaines, le jeune Martin sera sans nouvelles de sa mère. Mais comme il est habitué à ses nombreuses virées, l'enfant ne songe pas à alerter les policiers. Puis un jour, le conjoint de France est attiré par la présence de policiers près de chez lui. Un individu s'est présenté sur les périmètres, périmètre extérieur, deuxième périmètre. Et là, l'individu est arrivé, puis il a dit à un des policiers, là, il a dit, moi, il dit, ma conjointe, France Beauregard, est disparue depuis le 27 juillet. Alors, il dit, c'est une prostituée du coin.
Il donne sa description et il se souvenait même très bien quel vêtement il portait quand elle a quitté le domicile le 27 juillet. Elle avait un jeans noir, des souliers plutôt roses et une blouse léopard. Les enquêteurs gardent précieusement ces informations dans l'attente des résultats de l'autopsie. Durant l'autopsie, le pathologiste découvre un précieux indice, un mégot de cigarette, qui conduira peut-être les enquêteurs au meurtrier. Puis, il découvre le corps et les vêtements dont la description concorde avec les informations que les enquêteurs ont en main. Lorsque le dernier sac a été enlevé et qu'on a vu naturellement les vêtements, la blouse léopard, alors là, on s'est dit, c'est France Beauregard. Et France Beauregard avait un dossier, donc on a pu valider que c'était bien elle qui était dans ces sacs-là. Pour les enquêteurs, le temps presse. Il leur faut rapidement retracer celui qui a fait de Martin un orphelin avant de disparaître. Cette soirée-là, j'avais ma chambre, comme tous les enfants, et puis je m'avais endormi dans le salon. Il était peut-être 11 heures le soir, je m'en rappelle plus. Et puis vers 2-3 heures dans la nuit, je me suis réveillé et puis j'avais peur. Je sentais de quoi, mais je savais pas c'était quoi. J'avais peur, je me suis réveillé, j'étais allé m'asseoir sur l'autre divan qui menait dans mon champ de vision, la porte d'entrée. C'était un long couloir, et puis je regardais la porte, et puis j'avais peur, je sais pas pourquoi, j'avais peur. Je regardais la porte, c'était noir, et puis j'avais peur, j'avais tout simplement peur, je savais pas pourquoi. Après avoir quitté France, Louis Lafont se dirige vers la cuisine, où il s'empare d'un couteau. Il dira plus tard au policier qu'il a senti une explosion dans sa tête. L'explosion, dans ma compréhension clinique de ça, ça pourrait être un état d'allure dissociative, c'est-à-dire qu'il a comme perdu la carte des points de référence. Quelques instants plus tard, Lafont revient vers France et lui assène 7 coups de couteau au niveau du thorax. Puis, lui tranche sauvagement la gorge. Plusieurs des coups portés sont mortels. France n'a aucune chance de survivre et meurt rapidement. Après l'avoir poignardé à mort, Lafont enveloppe son cadavre dans 2 sacs de poubelle qu'il cache ensuite dans la garde-robe de sa chambre. Malgré son degré d'intoxication très élevé, Lafont a assez de présence d'esprit pour tenter d'effacer rapidement toute trace de son meurtre. Il n'a pas une minute à perdre. Le mieux pourrait arriver d'un instant à l'autre. Quand son colocataire arrive enfin, Lafont fait mine que rien de particulier ne s'est produit quelques instants plus tôt. Il va même jusqu'à proposer à Le Mieux de boire quelques bières avant d'aller tranquillement se coucher. Il fait si bien qu'Antoine Lemieux ne remarque rien d'anormal. Lafont semble avoir bu beaucoup de bière pour un lundi soir, mais... En fait, depuis que Lafont a emménagé chez Lemieux le 1er juillet, cocaïne et alcool sont toujours au menu. Lemieux semble être à l'aise avec la consommation de cocaïne de Lafont. Alors ce dernier ne se gêne même plus pour montrer l'étendue de sa débauche. Au cours du mois de juillet, Lafont propose à Lemieux de consommer de la cocaïne sous forme de freebase, c'est-à-dire en la fumant. Mais Lemieux est dégoûté et il demande à Lafont d'aller en consommer ailleurs. Irrité, ce dernier se retire dans sa chambre. Le 28 juillet, soit le lendemain du meurtre, Lemieux s'étonne de voir son colocataire passer la journée enfermé dans sa chambre, mais n'en fait pas trop de cas. Dans les jours qui suivent, Lemieux remarque que Lafont fait brûler beaucoup d'encens. Mais Lemieux ne fait toujours pas de cas de cette habitude,
croyant que Lafont veut simplement dissimuler l'odeur de la cocaïne fumée. Puis Lemieux remarque que son colocataire s'enferme de plus en plus souvent dans sa chambre. Mais encore une fois, il n'en fait pas de cas, pensant que Lafont se cache toujours pour fumer de la cocaïne. Pourtant, Lafont s'adonne à une toute autre activité. Jour après jour, il ajoute des sacs à vidange, il attache ses sacs à vidange, pensant naturellement arrêter naturellement la senteur de petite fraction, mais il n'y arrivait pas, donc il s'y met à faire brûler de l'encens. Il a acheté beaucoup d'encens, des boîtes d'encens, il faisait brûler de l'encens dans sa chambre. À un tel point qu'à un moment donné, Antoine Lemieux va lui dire « Hey là, ton encens, là, ça pue, ça n'a pas d'allure, arrête de faire brûler de l'encens. » Mais il continue à le faire. Il va travailler quand même, Louis Lafont. Il revient, il quitte son travail tôt, il essaie d'arriver chez lui, naturellement, assez tôt pour faire brûler de l'encens, pour que la senteur, naturellement, se propage chez les voisins. D'autres comportements étranges auraient pu éveiller des soupçons au cours des jours suivant le meurtre. Quand Marie se présente avec son chien chez ses voisins, Lafont réagit violemment et le sort par le collet. Mon chien allait sur le balcon, tout ça, puis il avait tendance, des fois, à rentrer chez Antoine. Il rentrait dans la maison, évidemment, il y avait une porte. Et il s'est mis à vouloir entrer, là, vraiment, là, à sentir. Je pense que lui avait détecté des odeurs que probablement que nous, on n'avait pas détectées avant. Donc, il rentrait, Antoine le laissait faire, c'était bien correct. Et là, Monsieur Lafont, lui, prenait toujours le chien. Et aussitôt que le chien voulait rentrer, prenait le chien par le collet, le ressortait sur le balcon. C'était solitaire, qui se mêlait pas aux autres, qui était bizarre, qui avait de la difficulté à socialiser. Mais je redis que le caractère sordide, inhabituel, voire pervers des gestes posés m'apparaît camoufler des failles dans une structure soit sévère au niveau de la personnalité ou une structure prépsychotique. Lafont et Lemieux coulent des jours tranquilles. Mais combien de temps leur reste-t-il avant que l'on ne découvre le cadavre qui pourrit dans la garde-robe de Lafont? Qu'on parlait d'enlever la vie d'une personne. Elle devait sûrement l'aimer pour tout endurer ça. Guylaine Neblon a été tuée de 36 coups de couteau. Un tueur si proche, ce soir 21h au Vendredi policier. Quoi de neuf, Brian? Ah, je prépare mes vacances d'été. Oh, c'est-tu bien cher? Non, avec le solde d'été d'Hôtel.com, il y a des super aubaines pour des escapades pas loin. C'est intéressant. Comme époustouflé. Je vois ça. Le solde d'été d'Hôtel.com. Économisez jusqu'à 30% et obtenez une carte d'essence gratuite. Hôtel.com. Réservez intelligemment. Déplacer les meubles, c'est un vrai casse-tête. Peu importe les efforts déployés, impossible d'y arriver tout seul. Salut, je m'appelle David Jones et je vais vous prouver qu'il est maintenant possible de déplacer vos meubles vous-même. Voici le Easy Moves, un système libre-service pour déplacer le mobilier. C'est facile. Soulever, installer et pousser. L'appareil de levage Easy Moves peut augmenter jusqu'à 10 fois votre force normale. Vous pouvez ensuite déplacer les pièces de mobilier là où vous le désirez, peu importe le revêtement du sol. Le travail accompli, retirez le Easy Moves. Oh wow! C'est facile! Incroyable! J'ai réussi à déplacer le meuble sans aucune aide. Le Easy Moves me permet de soulever ce meuble avec une seule main. Et ensuite, le déplacer sans l'aide de personne. Voici une expérience encore plus impressionnante. Que dire de cette capacité de soulever et glisser le Easy Moves sous une auto de 2623 livres sans aucune aide? C'est incroyable! Vous êtes prêts? Oui! Extraordinaire! Il est maintenant beaucoup plus facile de nettoyer dans les endroits plus restreints ou réaménager une pièce pour créer plus d'espace. Le levier est idéal pour soulever ou mettre à niveau les appareils électroménagers.
Un embout de caoutchouc protège le mobilier et la forme ergonomique vous évite des blessures. Appelez maintenant et nous vous ferons parvenir le système Easy Moves qui comprend le levier Easy Moves avec point d'appui ajustable, 4 Easy Moves pour les planchers de bois et surface lisse et 4 Easy Moves pour les tapis, le tout pour $29.95. Mais attendez, appelez maintenant et nous doublerons votre commande. Vous ne paierez que les frais de livraison. Vous obtiendrez deux ensembles complets Easy Moves d'une valeur de $60 pour seulement $29.95. Pour commander le Easy Moves, veuillez appeler le 1-800-309-0270 ou visitez-nous en ligne au www.acheteeasymoves.ca. Non, non. Mais à soir, on lâche nos chars, mon homme. Quoi? On lâche nos chars. Ouais! Non! Ouais! Ouais! Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Dans un état second, après avoir consommé une quantité effarante de cocaïne et d'alcool, Louis Lafont tue sauvagement France Beauregard. La drogue, particulièrement, peut induire des troubles psychiatriques transitoires qui peuvent persister des heures, voire des jours. La coke, par exemple, peut engendrer des états de méfiance, de la paranoïa, de la psychose et un sentiment profond de paranoïa, de méfiance. L'alcool peut engendrer des jalousies morbides. Or, il y a sûrement un amalgame de facteurs qui appartiennent soit à la personnalité de cet individu-là, soit à la présence de psychopathologie, de maladies psychiatriques sous-jacentes ou de fragilité psychiatrique sous-jacente, ou c'est rajouté un problème de dépendance à l'alcool et aux drogues, en fait, qui en soit une maladie, qui, ces substances engendrant par-dessus ça d'autres troubles psychiatriques. Dans la nuit du 7 août, après une soirée bien arrosée, Lafont décide de briser le silence. Après avoir pris quelques lignes de cocaïne, Lafont révèle à Lemieux qu'il a tué un homme. Mais ils ont tellement consommé que Lemieux croit d'abord à une blague de très mauvais goût. Lafont le conduit alors à sa garde-robe et lui montre les sacs. Lemieux refuse de croire qu'un homme puisse entrer dans un si petit espace. Pourtant, le contact du sac et la forte odeur forcent Lemieux à se résoudre à l'évidence. C'est bien un cadavre qui se trouve dans ces sacs. Affolé, Lemieux ne sait plus où donner de la tête. Comment cela a-t-il pu arriver? Que doit-il faire? Vers 5 heures du matin, Lemieux décide d'aller se coucher et suggère même à Lafont de dormir dans le salon plutôt que dans sa chambre, où l'odeur de putréfaction est devenue insupportable. Mais Lemieux panique et n'arrive pas à fermer l'œil. Il a peur d'être accusé de complicité. C'est avec son couteau de cuisine que Lafont lui a dit avoir tué un homme. Vers 8 heures du matin, après 3 heures d'angoisse, Lemieux décide de fuir son colocataire meurtrier. Doit-il prévenir les autorités? Mais s'il se rend à la police, qui croira que son colocataire a commis un meurtre, qu'il y avait un cadavre en putréfaction dans son appartement et qu'il ne s'était rendu compte de rien? En état de panique, Lemieux se rend chez un ami pour lui demander conseil. Va-t-il dénoncer ou non son colocataire?
Il a pris la bonne décision, c'est-à-dire qu'il a décidé d'aller voir un ami vers les 9h-9h30 du matin. Il allait se confier à un ami qui, lui a conseillé fortement d'aller au service de police. Donc, Antoine Lemieux s'est présenté au PDQ 23 avec un ami. Et il a raconté son histoire, en tout cas, le début de son histoire, à des patrouilleurs qui l'ont reçu au PDQ 23. Et moi, j'ai été le premier enquêteur qui l'a rencontré. Lorsque les policiers se rendent sur les lieux, il n'y a aucune trace du fameux Louis Lafont. Mais ils font bel et bien la macabre découverte d'un corps en état de putréfaction avancée, qu'ils envoient à la morgue. Au poste de police, les enquêteurs interrogent Lemieux pendant plus de 5 heures. Enfin relâché, l'homme trouve le courage de retourner dans son lugubre appartement. Mais les policiers n'en ont pas fini avec lui. Compte tenu des versions qu'il nous donnait, qui étaient une version extrêmement imagée, du dévoilement qu'il avait obtenu, lui, de l'auteur du crime, cette fameuse soirée-là du vendredi au samedi, avant qu'Antoine Lemieux se présente au poste de police pour les informer qu'il y avait dans le garde-robe chez lui un cadavre. La dynamique que lui avait créée en se rendant lui-même au poste de police, en rencontrant les enquêteurs de la section des homicides, en disant, écoutez, il m'a conté ça, lui, le gars qui a fait ça. Là. Donc, toute cette dynamique-là, sa version, le bonhomme lui-même était quand même intéressant, son vécu, sa candeur avec laquelle il relatait l'événement, on sentait pas de réticence chez lui, il était très coopératif. Les enquêteurs ont maintenant la délicate tâche d'annoncer la nouvelle aux proches de la victime. Bien qu'il ait eu un fort pressentiment, le jeune Martin apprendra la sordide nouvelle de leur bouche. J'ai vraiment réalisé la première seconde que ma mère était décédée quand que mon beau-père s'est mis à pleurer. J'ai fait « OK, là, c'est vrai. Écoute, il est arrivé de quoi, puis c'est vrai. Là, c'est vraiment ça qui est arrivé. » C'est à partir de ce moment-là, parce que moi, quand les enquêteurs sont au même moment, je sais pas, peut-être parce que j'étais jeune, puis ils voulaient pas... que j'écoutais, mais de loin. Et puis c'est ça, à un moment donné, de loin, j'ai vu Roger pleurer, il est perdu à la cape, puis c'est là que j'ai réalisé que ma mère était décédée, pour de vrai. Le coup est dur pour le jeune adolescent. Les premiers temps, ce que je me rappelle, tu sais, je veux dire, je me foutais de tout, mais quasiment, tu sais, écoute, t'as comme plus d'ambition, ou t'es jeune aussi, t'es comme naïf, puis... C'est ça, tu sais pas où tu t'en vas, fait que tu te cherches, tu fais des petits coups, t'es peut-être plus facile d'influencer. Moi, pour ma part, quand j'étais jeune, tout le temps que t'es quelqu'un de sensible, mais c'est sûr que quand ma mère est décédée, j'ai comme été encore plus sensible à certaines choses, peut-être plus aussi influençable aussi. C'est toutes ces expériences-là qu'à un moment donné, ben là, à l'âge que je suis rendu, ben que je suis comme que je suis en ce moment. T'sais, j'ai vécu des expériences, c'est sûr, comme tout le monde. Et puis, j'essaie de m'en sortir le mieux possible. Dans les jours suivant la déclaration d'Antoine Lemieux, les policiers recherchent activement le dangereux Lafont, qui jouit alors d'une totale liberté. Louis Lafont, ce qu'il fait, après avoir fait ses aveux, dans l'avant-midi ou sur l'heure du midi, il va chez ses parents, dans l'est de Montréal. Il va voir son père, sa mère, il lui dit « J'ai des problèmes. » J'ai une dette de drogue que je dois remettre absolument. Est-ce que vous voulez me prêter de l'argent? Donc, il se fait prêter un 400 $ par son père qui doit se rendre au guichet chercher l'argent et qui lui dit, écoute, là, mon fils, c'est la dernière fois que je t'aide. Là, tu auras à choisir entre ta famille ou ta consommation. Mais il lui a quand même prêté l'argent et il ne l'a pas revu après par la suite. Plus de 6 semaines après le meurtre de France Beauregard, les policiers n'ont toujours pas retracé Lafont. Le 4 septembre, ils décident alors de faire passer un test polygraphique à Lemieux pour savoir s'il leur a dit toute la vérité. J'ai fait ce qu'on appelle un test d'implication directe. As-tu tué? Es-tu la personne qui a tué? Est-ce toi qui as tué? Naturellement, tout en le restant de la question, à telle date, as-tu tué Mme Beauregard? Es-tu celui qui a tué Mme Beauregard? Es-tu la personne qui a tué Mme Beauregard? Test d'implication directe. On voulait aussi savoir ses connaissances de ce meurtre-là. Donc, j'ai fait un test, ce qu'on appelle un test d'implication indirecte, c'est-à-dire, as-tu participé ou planifié avec qui que ce soit
pour tuer Mme Beauregard. Et ça lui expliquait clairement, quand on parle de participation, de planification, t'as participé parce que t'étais là, t'as aidé, t'as déplacé, t'as fait des choses pour dissimuler la scène, pour changer des données ou des choses comme ça. Donc, participer ou planifier avec qui que ce soit. La deuxième question, c'est étais-tu présent? Parce que vous voulez savoir, étais-tu présent lors de la mort de Mme Beauregard? Mais le mieux réussit le test avec aisance. Peut-être même un peu trop, de l'avis de certains. La majorité des gens qui regardent et qui ont vu l'examen de polygraphie d'Antoine Lemieux, au moment où il arrive avec sa version, plusieurs des enquêteurs vont dire « C'est un acteur de télévision, il joue un rôle, ça se peut pas. » Les gens trouvent un peu aberrant les termes qu'il va employer, la candeur avec laquelle il va relater, si je peux dire, l'événement de cette nuit-là, comment lui il a obtenu les informations de Lafont. Et souvent, quand je demande à des enquêteurs chevronnés qui ont eu à regarder, d'après, et je leur donne pas le résultat de l'examen de polygraphie, d'après vous autres, est-ce que c'est l'auteur du crime? Si c'est pas l'auteur du crime, est-ce qu'il était présent? Ou, concrètement, comme lui le prétend, il n'y a rien à faire avec ça. Donc tout ça, là, ça rendait l'individu, son apparence, un bonhomme assez costaud, bien pris, il a un surnom, on l'appelle Doorman, parce qu'effectivement, il travaille dans des endroits licenciés. Donc tout ça, là, ça vient créer un peu un portrait un peu intéressant du bonhomme. Le test polygraphique laisse croire qu'Antoine Lemieux a dit toute la vérité. Mais les enquêteurs maintiennent tout de même la pression sur lui. Pendant ce temps, Lafont est toujours en cavale. J'étais pas conscient qu'on parlait d'enlever la vie d'une personne. Elle devait sûrement l'aimer pour tout endurer ça. Guylaine Neblon a été tuée de 36 coups de couteau. Un tueur si proche, ce soir 21h au Vendredi policier. Ma plus grande qualité, c'est qu'on peut pas m'aimer. C'est pour ça que moi, je t'haïs. Je recommande, là, c'est excellent. Très drôle. Super. Génial. C'était malade. Ça coche. Il est encore meilleur que le parent flic. Michel Côté, Louis-José Hout, Benoît Brière. Tu peux pas aller te chercher mieux que ça. Il était vraiment excellent. Et moi, je le conseille à tout le monde. J'ai adoré ça. Il y a pas 5 minutes qu'on a pas ri. J'ai ri d'un bout à l'autre. Je recommande à tout le monde. J'ai été mort de rire. Un punch attend pas l'autre. Ah! C'est capoté. Ceux qui aiment rire, c'est le temps d'y aller. Le sens de l'humour. Présentement à l'affiche. Êtes-vous en bataille perpétuelle avec vos attaches, avec des armatures qui vous rentrent dans la peau? Est-ce que vous détestez votre apparence dans un col roulé? N'est-ce pas temps de mettre fin à ce conflit quotidien avec des soutiens-gorge inconfortables qui ne vous avantagent pas? Il doit bien y avoir une solution! Voici la toute nouvelle au centre. Vous impressionnée. De Louis Lafont. Cette émission comporte des scènes pouvant ne pas convenir à un jeune public. La supervision des parents est suggérée. Pendant un mois, la recherche de Louis Lafont n'aboutit à rien. Pour les proches, la pression est intolérable. Certains d'entre eux comprennent qu'ils ont échappé de justesse à la mort. Ils redoutent qu'ils se vengent, car ils ont parlé aux policiers. Comment savoir de quoi cet homme est capable? Ça faisait à peine un mois que je venais de trouver l'emploi et j'ai dû arrêter là. J'ai arrêté un mois et demi à peu près, jusqu'à temps qu'il le retrouve. Parce que tout le temps où est-ce qu'il était recherché, je voulais même plus aller sur la rue. J'avais toujours peur de le rencontrer, j'avais peur de le voir. Au cours de la deuxième semaine de septembre, Lafont écrit une lettre à ses parents, qui communique alors avec les autorités. Et c'est le 10 septembre, presque un mois jour pour jour, après sa fuite, qu'il écrit une lettre à ses parents d'Ottawa avec une enveloppe de l'armée du salut et avec une adresse de retour. Donc, il écrit à ses parents et ça, écoutez, moi, ça me laisse l'opinion parce que, bon, on a déjà travaillé dans d'autres dossiers. Ça faisait un mois qu'il était en fuite, qu'il se cachait et d'après moi, Louis Lafont voulait être arrêté. Il n'avait pas le courage de se présenter lui-même à un poste de police, à un policier à Ottawa. Hein? Mais en envoyant une lettre à ses parents, dans laquelle il avoue pas le meurtre, mais dans laquelle il semble dire, bon, par des phrases un peu
qui semble dire qu'il comprend pas qu'est-ce qu'il a fait, qu'il mérite pas d'être le fils de ses bons parents-là. Bon, écoutez, c'est comme une admission du meurtre, là. Mais il ne le dit jamais, il ne l'écrit jamais. Les enquêteurs contactent le jour même leur collègue à Ottawa. Vers 18h30, Louis Lafont est appréhendé. Il ne voulait pas du tout faire aucune déclaration incriminante. Comme je vous dis, il était poli, mais il était plutôt fermé. Les bras croisés. Il écoutait mon collègue parler. Et qu'à un moment donné, durant ces 3 heures-là, bon, il y a eu des arrêts, il y a eu des pauses. Il a pris une cigarette, café, tout ça. Et là, à un moment donné, mon collègue Bergeron lui résume les événements. Et il regardait Michel sans même nier. Il n'a fait aucune négation. Il regardait, il écoutait. Il était passif. Alors, malheureusement, on n'a pas eu... il était le seul qui aurait pu nous donner vraiment là, qu'est-ce qui s'est passé dans cette chambre-là, dans sa chambre à lui. Pourquoi, le mobile exact de ce meurtre-là. Le lendemain, les enquêteurs transfèrent Louis Lafont à Montréal, où il est accusé de meurtre au premier degré et détenu en attente de son procès. Naturellement, il a été détenu jusqu'à son enquête préliminaire. Donc, plusieurs mois après, il y a eu l'enquête préliminaire. Donc, certains témoins sont allés témoigner, les principaux, dont Antoine Lemieux, naturellement. Celui qui reçoit les aveux, là, on dépose le rapport d'autopsie, on dépose les photos de la scène. C'est sûr qu'écoutez, on avait son ADN, regardez. Il y avait 125 sacs, les uns par-dessus les autres. Et entre ces sacs-là, on a trouvé un mégot de cigarette qui s'est avéré être l'ADN de Louis Lafont. En plus qu'on trouve naturellement la victime dans son garde-robe, hein? Donc avec sa chambre à lui qui a été lavée, essuyée, et que naturellement le luminol l'a démontré très clairement. Ensuite, naturellement, la sacoche de la victime, les souliers de la victime, les papiers de la victime, écoutez, les preuves étaient accablantes contre lui. Un poids énorme disparaît pour Marie, qui vivait dans la peur constante de revoir Louis Lafont. J'appelle ma sœur au travail, elle dit, écoute, ils viennent de le retrouver. Ils viennent de le dire aux nouvelles, ils viennent de le retrouver. Là, j'ai senti vraiment, là, j'ai senti comme un vide, comme un bien-être. J'ai fait, OK. Puis je me rappelle, j'avais mon rendez-vous chez le médecin, peut-être 15 minutes plus tard, puis là, j'ai dit à mon médecin, là, je veux retourner travailler. Là, j'étais prêt. Pour moi, c'était là comme une liberté qui venait de le retrouver. On dirait qu'il y a une peur qui c'est comme... La peur est partie, carrément. Le 18 février 2000, Louis Lafont plaide coupable à l'accusation d'homicide involontaire, évitant ainsi de subir son procès. Le dossier s'est terminé par un plaidoyer de culpabilité à homicide involontaire coupable. Parce que, possiblement, que l'avocat de la défense, Maître Batista, s'en venait avec une défense d'intoxication. Vous savez? Donc, une défense d'intoxication aurait pu amener à un homicide involontaire coupable. Vous savez, Louis Lafont était celui qui l'avait fait. Ça, il n'y avait aucun doute là-dedans. Maintenant, comment il l'avait fait? Pourquoi il l'avait fait? Dans quel état il était quand il l'a fait? Il y a juste lui qui le sait. Le 7 mars 2000, Louis Lafont est trouvé coupable d'homicide involontaire et écope d'une peine de 12 ans d'emprisonnement. Antoine Lemieux sera enfin lavé de tout soupçon. Lafont ne dira jamais pourquoi il a prétendu avoir tué un homme plutôt que France Beauregard. Et personne ne saura ce qui s'est véritablement passé pendant la nuit de l'été meurtrier. Martin, je vais toujours être là pour lui. Je suis comme une deuxième mère pour lui. Mais elle a un bon fils. Elle peut être fière de son fils. Parce que ce petit gars-là, avec tout ce qui est passé, pour aujourd'hui, de voir où ce qu'il en est rendu, elle peut être fière de lui. Moi, je suis fière. À chaque jour, je pense à ma mère. D'ailleurs, j'ai un poster ici, puis je le regarde à chaque jour, son poster. Je dis souvent que je l'aime aussi en me coucher. J'essaie de me former une genre de petite bulle avec ma mère, même si c'est plus là. J'y parle de temps en temps aussi. Quand il m'arrive un problème dans la vie ou je prends un genre de down, je me demande de m'aider un peu, d'être là avec moi ou peu importe. C'est sûr et certain,
j'essaie d'y croire, en tout cas, c'est sûr. C'est pas trop évident de croire certaines choses de ce genre-là, mais j'essaie d'y croire le plus possible. Pour certains individus, la consommation abusive d'alcool et de drogue peut déclencher une forme de maladie mentale. La vigilance des proches est toujours de mise. Si un tel drame se préparait dans votre entourage, sauriez-vous le voir venir?